Bonjour et bienvenue à ce 82e épisode de Lightroom Retouche Express où on va travailler sur cette photo et on va en fait démonter le développement parce que cette photo j'en ai fait ça donc je l'ai un peu restauré et recolorisé et on va voir comment je suis passé justement de ça à ça et on va démonter point par point voir ce qui a été fait alors il y a pas mal de retouches locales. On voit qu'il y a pas mal de corrections des défauts. On voit qu'il y a un filtre dégradé qui est là. On voit qu'il y a du filtre radial. Ici, quelques-uns. Puis on voit qu'on a pas mal de pinceaux de retouche. Donc on va regarder tout ça. On va commencer par le filtre dégradé là. Qui lui a servi simplement, vous voyez, au niveau des hautes lumières, à baisser un peu les hautes lumières qu'il y avait dans ce coin-là. Donc on va, si on le désactive, vous voyez, c'était plus clair là dans le coin. Et là, ça allait un peu moins. D'accord Donc ça, pas grand-chose. On va le virer. Voilà, comme ça, on va démonter au fur et à mesure. Ensuite, on va prendre ici Radial. Alors, qu'est-ce qu'on a fait sur le Radial On voit ici, si vous cliquez, vous voyez que là, il est sur la joue, comme ça. Et on a un autre sur cette joue-là. Et on voit finalement que tout ce que ça fait, c'est ramener un peu de couleur ici. Parce que vous voyez que tout ça est à zéro. Mais là, il y a couleur. Donc en fait, ça, je l'ai fait pour rougir un peu les joues par rapport au reste de la peau parce que souvent, euh, dans les enfants qui sont un peu jeunes, la, la, la joue est un peu plus, euh, est un peu plus euh, rose. Donc ça, ça a servi à ça. Donc euh, ça, si on les vire, on va virer le rouge sur les joues et vous voyez que ça devient d'ailleurs... Je vais, je vais le remettre. Donc vous voyez que là, ça fait cette petite zone rose et puis là, si on le vire, bah, ça devient uniforme au niveau couleur là et c'est moins intéressant, ça fait moins réaliste. Donc... Ça, c'était le rouge sur. Euh, et là, ici, celui-là, il faisait quoi Celui-là, il ramenait un peu d'exposition, il ramenait un peu de jaune. Alors, on va, euh, on va zoomer pour se rendre compte de ce que c'est. Ah oui, c'était juste vraiment au niveau de la, de la pupille, là, pour reproduire ici le petit truc. Euh, donc, si on le vire, on va le virer. Voilà. Voilà, vous voyez, parce que là, c'était tout noir. C'était tout noir, tandis que si je le mets, d'accord, alors je vais, euh, je vais arrêter euh, pour qu'on le voit. Vous voyez ici, j'ai reproduit le petit coup de flash au niveau de l'œil là, pour que ça soit pareil, un peu plus réaliste, parce que là c'était un peu vide, un peu vide à l'intérieur de l'œil. Ok Donc des fois, c'est vraiment des, des petits détails, mais c'est ça qui va faire que ça fait euh, plus, ou moins, euh, plus ou moins réaliste. Hein. Alors là, on a viré tout ce qui est euh, filtre radial. Maintenant, on va aller dans tout ce qui est pinceau de retouche. Si on regarde celui-là, donc vous voyez, celui-là, c'est celui qui a servi à donner de la couleur, une couleur un peu jaunâtre au papier peint qui était derrière. Donc je vais l'effacer. OK. Si je prends celui-là, celui-là, c'est celui qui a donné de la couleur au canapé. Avec une couleur jaune un peu plus euh, soutenue. C'était un truc marron de mémoire. Euh, celui-là, c'est celui qui a dû donner la couleur au, ici, la coudoir C'était un truc en bois. Donc, euh, un truc un peu plus orange, marron. Celui-là, il a servi à. Alors, il a servi à quoi, celui-là On va regarder sans. Voilà, il a un peu assombri. Il a un peu assombri cette partie-là, de ce côté-là. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai monté les blancs-là. Je vois pas trop l'intérêt. Je, je vais juste changer pour voir. Ouais, c'était ici pour que ça brille un peu plus là. D'accord. Ok. Mais donc c'était un peu pour assombrir cette partie là. Ensuite, si je regarde ce que j'ai pu faire, euh, alors on va on va zoomer un peu euh, ici. On sait tout ce qui est couleur euh, du visage. D'accord. Et vous voyez que je suis passé sur les cheveux. C'est à dire que je suis passé sur les cheveux et ensuite j'ai ajusté les cheveux en rajoutant de la couleur. Ça, c'était pour gérer tout ce qui est transition ici au niveau des cheveux, parce que ça va être difficile de les peindre un à un. Donc, j'ai tout rendu rose, et ensuite, au niveau des cheveux, j'ai rajouté un peu de marron. Donc là, c'est le rose en question qu'on va virer, d'accord Donc ça, je le vire. Voilà. Donc ici, vous voyez que j'ai rajouté ici au niveau de la couleur, alors c'est vraiment pas beaucoup. Mais j'avais rajouté de la couleur ici pour que ça change par rapport à la peau. D'accord Donc ça, on le vire. Pour une raison ici, j'avais fait les oreilles un peu plus rouges. Donc j'avais fait ici un pinceau de retouche uniquement pour ramener un peu plus de couleur sur les oreilles. Ensuite ici, bah, c'est pour la lèvre, hein, pour qu'elle ne soit pas couleur de peau, qu'elle soit un peu plus rouge. Alors ensuite, si on va zoomer dans l'œil, si on va zoomer dans l'œil, on voit qu'on a plusieurs choses ici. J'en ai une première ici sur tout l'œil qui rend l'œil un peu plus bleu avec quelques ajustements. Très bien. Ensuite, on voit qu'ici, j'en ai un là autour. Pour amener un peu d'orange autour de l'iris. Souvent, si vous regardez votre œil, vous verrez que vous avez euh, le, le noir. Puis ensuite, il y a souvent une petite zone orange. Et puis ensuite, on a une zone plus colorée, euh, vert bleu en fonction de la couleur de votre œil. Donc, ça, c'était cette zone-là. Et ici, c'était juste un peu de vert, là. Ce qui permettait d'avoir cet œil multicolore. Alors, on va, on va tout remettre pour que vous puissiez vous en rendre compte. Voilà, vous voyez, donc l'œil à la fin, il fait ça. Et euh, ça permet d'avoir quelque chose qui n'est pas uniforme en couleur, et donc ça fait un peu plus euh, réaliste. Ok, qu'est-ce que j'ai encore là Alors ça on a fait, j'en ai encore euh, trois ici. Donc celui-là, 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 c'était pour donner une petite teinte verte au col, d'accord, très légère. Donc ça, on va la virer. Et ensuite j'ai, j'en ai plusieurs là. Alors celui-là il était un peu, un peu plus compliqué à faire parce que vous voyez que je suis passé sur tous les traits, là tous les traits de la, de la robe pour mettre du bleu, parce que la robe ensuite elle c'est celui d'à côté, c'était un peu de jaune ici sur toute la robe. Donc ça, celui-là a été un peu plus long à faire, mais d'un autre côté, ce n'était pas la peine d'y passer euh, non plus euh, euh, des heures, ce n'est pas hyper précis, euh, suis, je suis passé à la grosse, hein, si on zoom. Euh, voyons voir hop et oui je suis passé un peu à la grosse quand même hein. c'est pas hyper précis mais ça permet comme ça d'avoir une robe qui est pas uniquement jaune en rajoutant ici euh, ce truc là on ramène un peu plus de bleu là au niveau de chaque rayure ça fait donc à nouveau un peu plus réaliste tout ça c'est dans l'optique de faire un peu plus réaliste hein, tous ces petits détails et une fois qu'on a terminé ça, donc on se retrouve avec la photo en noir et blanc. Et il y a le dernier point, c'est tout ce qui est correction des défauts. Donc là, vous voyez qu'il y en a plein. Et ça, c'est pour... Alors, on va le désactiver pour que vous puissiez vous en rendre compte. Voilà, là, ici, vous voyez toutes les poussières. Donc et là, ici, il y a une tache, il y a une tache là, il y a une tache là. Là, il y a des taches blanches. Là, il y a une rayure. Là, on voit un cheveu qui passe à l'intérieur. Et donc, si on le remet en route, vous voyez que ça a corrigé tout ça. Donc ça, c'est la correction des défauts qui a fait ça. Donc ça, euh, il ouais, faut être un peu précis, il faut, faut faire un peu attention, et une, après euh, ça passe. Donc là je suis, je vais donc euh, virer la correction des défauts, d'accord, pour euh, bien se rendre compte de la chose. Et puis ensuite, j'avais simplement euh, travaillé ici sur. Euh, certains niveaux, d'accord, pour euh, rajouter du contraste à la photo. Euh, j'avais également baissé les hautes lumières, donc on va tout remettre. Ensuite j'avais le blanc et ensuite j'avais le noir. Et là on se retrouve avec la photo d'origine, hein, qui n'est pas euh, pas loin de la photo euh, la photo originale. On va d'ailleurs aller la voir. Voilà, celle-là était un peu plus jaune, mais euh, voilà ce que ça donne. Parce que je l'ai passé en noir et blanc. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est parce que celle-là, je l'avais passée en noir et blanc, tandis que celle-là était en couleur. Et vous voyez, si je la passe en noir et blanc, ça donne la même chose que l'autre-là, à une petite différence de cadrage près. Donc, voilà ce qu'on peut faire sur une photo pour la restaurer, pour la coloriser. Il faut être minutieux. Euh, éventuellement, si vous avez une tablette, ça, ça ira plus vite avec une tablette. Est-ce que ça ira plus vite avec Photoshop J'aurais tendance à dire oui pour la sélection de certaines zones. Encore que vous voyez que là, on, avec Lightroom, euh, j'ai réussi à faire quelque chose. Euh, alors je dois encore la voir là. Non, voilà, je dois la voir ici à côté. Vous voyez que j'ai réussi à faire quelque chose de tout à fait correct, euh, sans être obligé de partir dans Photoshop. Il faut simplement être un peu précis euh, lorsqu'on peint là au niveau de la main, par exemple. Il ne faut pas trop dépasser. C'est pour ça que la tablette éventuellement peut vous aider. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera de, des idées pour des vieilles photos. Euh, et sur cette photo, vous avez, oui, oui, je vous laisse trouver lequel c'est. Voilà, merci, au revoir.